Je travaille à la Gazeta del Nissa, je suis le nouveau journaliste. Jordan Amavi, vous êtes surnommé le Kevin Prince de Lubotec de l'OGC Nice, ou Maurice Bollet pour les intimes. Ça se pour les intimes. Comment s'est passé ce voyage? Ben, on a voyagé dans de bonnes conditions, avec quelques turbulences dans l'avion. C'était la première fois que je prenais l'avion. Oui. C'était toute une émotion, vraiment. Ça fait du bien. Comment abordez-vous ce match et comment s'est passé le voyage, s'il vous plaît? Je suis serein. Dégage. Je suis serein. Je pense qu'on va faire un gros match demain. Allez, c'est parti devant la caméra de JCNIS TV. L'accent, s'il te plaît. Attends. Oh, c'est toi qui m'as dit de faire le show. Chérie Coco, t'as cherché, t'y as trouvé. Allons-y doucement, faut pas fausser. Allez, c'est comme ça qu'il faut danser. Rapatez-les. Le voyage, ça s'est plutôt bien passé. L'avion, on a pris l'avion, puis après le bus, il y avait la play, on a plus joué. Puis là, on est à l'hôtel, on se repose avant le match. Le match Lyon-Marseille, Coupe de la Ligue. Et alors, c'est comment pour l'instant? Ça joue pas trop mal. Enfin, ça dégage un peu, ils sont un peu crispés, mais ça... Le fait de voir le Stade de France, ça vous encourage, ça vous donne... Encore plus, ouais, encore plus. On se sent bien, on commence à sentir un peu la pression, la boule au ventre qui commence à venir. On essaye de pas trop y penser, de rigoler avec les collègues, mais c'est pas évident. Regardez, non, c'est vraiment nul le golf. C'est peut-être plus tard, qu'on sera plus vieux, ça te branche pas. Non, franchement, non, le golf. Sur un green, c'est pas une. Chut, faut se taire. Dans un green, c'est pas mon délire, quand même. Oh! Moi, je me rappelle d'un discours, on avait fait le premier match contre Ajaccio, on avait dit il y a 6 matchs les gars pour 6 matchs pour arriver au Stade de France. On est au 6e match. On est au 6e match, c'est une réalité. Et on va pas la louper la dernière match. On va pas la louper, d'accord? Moi j'attends de vous la même attitude et je mettrai, pour l'instant je mets en ligne de mire, c'est l'attitude, l'entame de match qu'on a eu contre Monaco, contre Troyes. Nous avons vu véritablement un groupe heureux de se qualifier et on a senti quelque chose. Une histoire, c'est quelque chose qui s'écrit et qui ne s'efface plus jamais, qui est gravé à jamais dans l'histoire d'un club. C'est presque la légende du club. Come on!